C'est l'heure des qualifications à Spa, l'un des circuits les plus impressionnants du calendrier, avec ses collines longues lignes droites, le raidillon de l'eau rouge. Âme sensible, s'abstenir. Quand on cherche le chrono, on privilégie généralement les accélérations et pointes de vitesse. S'agit-il seulement de limiter l'appui aérodynamique au maximum et de négocier les virages avec soin pour foncer dans les lignes droites ? Les écuries sont très certainement arrivées avec tout l'équipement nécessaire pour profiter de ces longues lignes droites. Les virages seront plus difficiles à négocier, mais tout le monde sera dans le même bateau. Et salut à tous, c'est Angel038 et on se retrouve pour le Grand Prix de Spa en Belgique sur F1 2016. Suite de ma saison dans l'écurie As, je suis cette fois-ci en compagnie de Cyril. Salut Cyril. Salut Angel et bonjour à tous. Et donc on va attaquer cette séance de qualification avec des essais libres qui se sont plutôt bien passés. On a eu des bonnes infos quant aux usures des pneus. Et donc on va de suite aller mettre un petit peu moins d'essence embarquée dans la voiture pour éviter les blagues. Ah, tout à fait Angel. On a de bonnes indications après les essais au niveau de la dégradation des pneus, notamment pour les softs et les médiums. Un peu moins concernant les super softs qui se dégradaient très rapidement. D'ailleurs, on se demande, on va dire, pourquoi Pirelli a amené ce type de pneus sur un circuit qui, avec ses grands virages rapides, les soumet complètement à la torture. C'est pour cette raison qu'on a choisi d'utiliser uniquement ces pneus pour les qualifications, parce que, tout simplement, ce sont uniquement des pneus de qualification. Exactement, donc c'est exactement là, je vais y arriver. Ce que j'ai dit, ce qu'on est en train de faire là, c'est que je sors donc là en Q1 avec les pneus super soft. Voilà, c'est histoire de vraiment pouvoir s'extraire de cette Q1 et de passer à Q2 déjà dans un premier temps. Et avec le minimum de carburant. Voilà. Alors pour l'instant les trajectoires sont pas au top, mais on va s'appliquer. Il faut un petit tour pour que la gomme se mette à chauffer. Après, normalement, ça devrait aller. Allez, 355 en bout de ligne droite. On a vraiment des vitesses de fou ici. Effectivement, et en plus, c'est pas la meilleure vitesse de pointe hein, à comparer avec les monoplaces équipées de moteurs Mercedes. Je pense notamment aux Williams, qui ont des vitesses de pointe qui sont monstrueuses. Les Williams, c'est également, on peut parler aussi des Force India également, qui oui. Marchent plutôt bien sur ce Alors, premier tour, on a pris le troisième temps pour l'instant. Bon, on est en début de séance, hein, faut pas s'affoler non plus, parce que c'est Vettel qui tient pour l'instant, Vettel et Raikkonen qui tient les deux premières places. Donc on peut s'imaginer largement que les ténors vont sortir rapidement et, alors que Grosjean vient de prendre la troisième place. Ouais, et puis la piste n'est pas encore complètement gommée, donc au fur et à mesure du temps, les temps vont s'améliorer et puisque après les pilotes qui vont sortir après toi vont tailler la route et bénéficier d'une meilleure adhérence. Toujours un petit blocage de roue dans ce virage à droite là qui est en descente là juste après à la fin du premier secteur là. Avant Pougon. Ah, ça doit être, si je te dis pas de bêtises, ça doit être le virage de Malmedy, je crois.
C'est à celui qui après le rivage. Il est assez important parce que c'est un virage en fait qui conditionne une ligne droite qui mène vers ce double virage à gauche de Proudhon. Et quand tu sors un petit peu trop large en fait de ce virage, ça te fait perdre pas mal de temps. Et voilà, j'étais un petit peu trop distrait. Du coup, je suis allé tendre le gazon. Ça fera plaisir à beaucoup d'entre vous parce que ils aiment bien quand je me déguise en jardinier. Hop là, allez, on rentre au stand et on va attendre de voir comment ça se décante avec les pneus pleins de gazon. Et ce qui est problématique aussi avec ces pneus Pirelli, si tu veux, Angel, c'est que en fait, tu peux pas attaquer véritablement en qualification sur toute la durée d'un tour de qualif, parce que sinon, tu risques de voir tes pneus surchauffés et ils perdent de leur efficacité, de leur performance. Alors ça y est, ils ont rentré la voiture au stand. On va pouvoir voir un petit peu comment ça s'organise. Alors pour l'instant on a le quatrième temps, Sébastien Vettel et Kimi Räikkönen dans les deux premiers chronos. Räikkönen est le plus rapide dans le deuxième secteur, Vettel dans le troisième et nous on est le plus rapide dans le premier. On va faire avancer la séance tranquillement. Il reste 6 minutes. On a Lewis Hamilton qui vient de signer le sixième temps, qui est le plus rapide dans le troisième secteur. Et donc là, t'as pas besoin de refaire un run. Hein. Non, là c'est bon, la séance va être terminée. Felipe Massa qui a fait le deuxième temps. On finit cinquième dans cette séance. Donc voilà, c'est très bien. Nico Rosberg, lui, a signé le onzième temps. Donc je surveille ces pilotes-là. Et notre rival, Carlos Sainz, est quinzième. Ok. Voilà, parmi les éliminés, on a Arianto, Magnussen, Palmer, Ericsson, Alonso et Nasser. Alonso qui est passé complètement à côté de ces qualifs-là. Ouais, bah, faut dire que la McLaren, c'est pas sur ce circuit-là qu'il faut l'attendre parce que, comment dire, bien que le châssis de la McLaren n'est pas trop mal, ils seront toujours pénalisés par le manque de puissance de... comment dire, du power unit de chez Honda. Ouais, mais je l'aurais bien vu un peu mieux placé quand même, le père Alonso, sachant que Button était un peu mieux quand même dans cette séance, mais... Ouais, je suis assez d'accord avec toi là-dessus, mais je pense que les McLaren, on les verra plus à leur aise sur un circuit comme Singapour, je pense. Bon allez, on est parti pour Q2. J'ai laissé passer un petit peu de temps dans la séance, alors, histoire que la piste... la Q2, on va tenter de la faire avec les softs tout en mettant le minimum de carburant, parce que si on peut éventuellement se qualifier avec dans le top 10 avec les softs et partir le lendemain de la course justement avec les softs, ça serait pas mal vu que on a une dégradation qui est beaucoup trop importante avec tout à fait, tu fais bien de me le rappeler parce que j'étais parti en super soft. Donc je rentre tout de suite au stand. Ouais, t'as juste le temps de faire un petit tour de reconnaissance de la piste. Et puis basta. Ouais, ah ouais, non, mais là je rentre vite au stand et je vais vite remettre des pneus soft et on est reparti. J'avais complètement zappé quoi. Allez les gars, on se dépêche, on rentre la voiture dans le box. De toute façon, t'as encore du temps là. Oui, on a au moins plus de 5 minutes puisque le chrono est pas encore affiché en haut. Donc, toutefois, faut il faire reste attention. 6 minutes 20. Ouais.
On a encore le temps, mais toutefois, il faut faire attention ici parce que avec le temps, parce que les tours sont assez longs à Spa, donc faut pas non plus trop en perdre. Allez, je change les pneus. On va mettre les softs. On va regarder les réglages de la voiture, surtout pour le carburant. Voilà, on a mis pour 5 tours. Parce que les tours sont longs quand même. Tu peux en mettre pour 4 à la limite. Ouais, j'ai préféré me prendre une réserve parce que là on n'aura pas le droit de rentrer, là il va falloir aller jusqu'au bout. Hein, donc. Ouais, effectivement, ouais, tu as raison, puisque comme on vient de le dire, les tours sont assez longs ici, donc on peut pas trop se permettre non plus de jouer à, comment, de se la jouer à la Depiello. On va saluer au passage, hein, parce que sinon on est bon pour faire pipi dans le réservoir. Absolument, et on aura le temps de faire 2 tours, pas plus. Ouais, donc 2 tours rapides, c'est un peu juste, sachant que c'est là que c'est le maximum que peuvent nous permettre ces pneus Pirelli, dont la fenêtre d'utilisation optimale est véritablement limitée. Et je dis ça avec dépit, hein. Premier chrono, 6e temps. C'est pas mal. Là, combien de temps il reste dans la séance là ? 1 minute. Bah, je pense que c'est bon, tu peux rentrer au box. Ce 6e temps avec des softs, c'est vraiment pas mal. Hein. Il y a Massa qui a fait pareil que nous. Exactement le même chrono à égalité. Non, par rapport à la stratégie des pneus. Ah, d'accord. Ouais, donc ça confirme ce qu'on pensait, c'est-à-dire que on peut véritablement pas compter sur des pneus super soft qui sont véritablement que des pneus de qualification. C'est là que tu te demandes d'ailleurs à quoi sert d'avoir mis 3 types de gomme pour la course. Ouais, c'est vrai, ouais. Et d'ailleurs, en fait, une information qu'on va transmettre aux viewers, parce qu'ils sont pas au courant, eux, on a apporté 2 nouvelles pièces sur la voiture sur ce week-end. On a le Monkey Seat qui est en niveau 2 et la chambre de combustion. Concernant la. Les deux recherches qu'on avait lancées, voilà, la gestion du carburant, les deux recherches qu'on avait lancées au dernier Grand Prix, en fait. Et le Monkey Seat, c'est quand même assez important, parce que c'est ce qui permet, notamment à ta voiture, Angel, c'est d'avoir pas mal d'appui, et pour négocier notamment la portion du secteur 2, eux, qui est tout aussi importante. Et c'est ce qui donne un meilleur équilibre aéro à la voiture. Voilà, autre nouvelle aussi, on partira donc avec ces pneus soft qui sont usés à 8%. C'est pas mal.
C'est vraiment pas mal, donc ça veut dire qu'en gros on peut faire à peu près 10 ou 11 tours, ou soit la moitié de la course en 50%. Ce qui fait qu'on peut tenter une stratégie à un arrêt et mettre les médiums à mi-course. Quoi. Donc la séance qui est terminée, je rentre la voiture au box. On va voir si les chronos ne s'améliorent pas et nous foutent à la porte de la Q2, puisqu'on a vu déjà qu'on est descendu à la 7ème place entre temps. Et donc aussi, information importante, c'est que pour la Q3, tu peux utiliser autant de trains de super soft que tu veux. Tu peux les cramer, les pulvériser, faire ce que tu veux. De toute façon, on s'en servira pas pour la course. Tout à fait. Vas-y, tu as carte blanche. Alors, voyons voir, les chronos. Donc on a, qui c'est qui est derrière? Il y a Vettel et Raikkonen et Grosjean qui sont derrière nous. Et pour l'instant, on leur colle, enfin du moins, Raikkonen, je lui colle une seconde dans le premier secteur. Ah ouais, quand même. Et Vettel 7 dixièmes et Grosjean 8 dixièmes. Donc la séance est terminée. On est 7ème, donc on passe en Q3, bonne nouvelle, youpi. C'est Valtteri Bottas qui a signé le meilleur chrono. Derrière, on a Hamilton, Verstappen, Rosberg, Ricciardo, Massa. Moi-même, Raikkonen, Vettel et Grosjean. Les éliminés, Perez, Hülkenberg, Sainz, Button, Wehrlein et Kiat. Allez, on passe à Q3. Et là, on va pouvoir se faire plaisir. Deux as dans le top 10, c'est pas mal. Hein. Allez, je vais faire mon premier run. Donc là, je pense que tu as de quoi faire au moins deux tentatives pour cette Q3. Je pense que tu auras largement le temps de les faire. Et là, c'est zéro prise de tête. Là, tu peux véritablement te concentrer sur la recherche de la performance. C'est d'ailleurs peut-être une des premières fois là depuis longtemps que... on se retrouve sans véritable contrainte. Ouais, c'est vrai que du coup on a moins de challenge, moins de pression, et ça va peut-être aider aussi à faire que ce week-end se passe au mieux. Ouais, et on en a véritablement besoin après les derniers grands prix qui ont été très compliqués, que ce soit au Hungaroring ou à Silverstone, même si tu t'es bien rattrapé à Hockenheim. Oui, à Hockenheim, on a bien eu de la chance, la stratégie était pas mauvaise. Et bon, on a encore eu une belle bataille avec RJ. Enfin, RG. Et ça a encore failli nous coûter pas mal de points si on était allé au contact et qu'on avait mis les deux voitures dehors. Ah bah tiens, c'est d'ailleurs une des premières fois où vous êtes pas mis tous les deux au tapis. Hein. Non, bah non, j'ai essayé d'être moins bête que lui, hein. J'ai laissé passer quand c'était trop dangereux. Et puis je l'ai repris dans les secteurs où j'étais plus rapide, quoi. Effectivement, ouais, parce que sinon je pense que le patron Jean Haas, il aurait, je crois, fumé également. Hein. Il nous aurait mis la fessée. Tu m'étonnes. C'est pour faire l'allusion avec Haas, les fesses, tout ça. Vous aurez compris. Kiss my ass. Ouais. Allez, premier chrono, troisième temps. Ben, c'est pas mal, c'est pas mal du tout. Qui d'autre, à part toi et Massa, sont passés en Q3 avec les softs? Putain, c'est vrai, j'ai pas noté cette information, je suis stupide. J'ai complètement oublié de regarder. Bon, on verra ça tout à l'heure, mais il y a une chose importante que je voulais te dire, c'est que... comme il est probable que tu vas être entouré de pilotes avec des super softs, il faudra faire très attention au premier virage de la source qui est
un véritable coup de gorge donc pour le départ avec des gommes comment dire plus tendres que la tienne, ils auront l'avantage donc ça sera pas trop la peine de lutter avec eux. Par contre ils vont avoir des pneus qui vont durer que 4 ou 5 tours et ils vont devoir les changer très rapidement. C'est là où tu auras un avantage par rapport à eux au fur et à mesure que la course va avancer. Un peu de drift ici dans Pouhon, ça fait plaisir. T'es pas monté sur le vibreur extérieur là? Comment tu sais? Ah bah bravo pour les pieds dans le plat. Ah bah faut ce qu'il faut. On essaye des choses, on peut se le permettre. Allez là on va rentrer au stand. Parce que de toute façon on aura pas assez d'essence. On va attendre un petit peu. De toute façon c'est Pirelli, c'est de la guimauve donc voilà. Des pneus malabar. Quand je regardais la course de Jeff sur F1 2007 en modé, il avait des Bridgestone. Il nous disait que oui, mais les Bridgestone, effectivement, ça tient mieux que les Pirelli I, donc c'est pas marrant. Ah oui, mais au moins un avec ces pneus-là, tu peux attaquer. Eh oui. Alors, il me rentre la voiture dans le box. Allez, les gars, on s'active. On est désolé de tirer sur l'ambulance de Pirelli, mais en même temps, faut dire ce qu'il y a. Hein. Ah non, mais c'est des pneus, c'est... C'est juste le nom de pneus qu'ils ont. Ouais, c'est clair. Mais moi, depuis le temps que je dis... que je fais des textes sur ta page où j'explique très clairement qu'ils ne sont pas du niveau de technologie et d'expertise de Bridgestone, de Michelin, voire des Goodyear. Là, je pense que même en faisant des gameplays, on peut déjà s'en rendre compte. Ils sont gentils, ils me font le tuto de l'utilisation de la radio. Comme si j'en avais quelque chose à foutre. Bon, on va prendre ces pneus là. Allez. Tu peux encore en faire un autre de run là. Bah ouais, allez, on est reparti, on va faire une deuxième fournée. J'ai le premier et le troisième secteur qui est en violet. Il y a juste, j'ai perdu du temps dans le deuxième. Ouais, je trouvais que j'avais pas été mauvais. Ah, peut-être que tu manques un petit peu d'appui éventuellement dans le secteur 2. C'est peut-être là où par exemple des Ferrari ou des Red Bull sont un peu plus à l'aise dans ce secteur-là. Ouais, j'étais surpris de voir que j'étais violé dans le premier et troisième secteur. Je pensais pas. Je savais pour le premier. Mais là surtout en Q3. Ouais, dommage. Dommage, j'étais trop gourmand. Ah, tant pis.
On aurait pu... ouais, dommage, hein. Mais vraiment dommage, le tour était, était juste parfait. Et juste dans le dernier secteur, là, le droite, là, avant vraiment le dernier, le troisième secteur, j'ai été un petit peu trop gourmand et ben voilà, la voiture ici, dès qu'on monte sur les vibreurs, et ben voilà, c'est on perd l'équilibre et du coup... La blanchiment ou après monte les sorties? C'est après, non, juste avant le début du troisième secteur. Ah oui, je vois, c'est Stavelot. Ouais, voilà. Le double virage à droite de Stavelot. Donc oui, je suis désolé, hein. Moi les noms des virages, c'est voilà, c'est pas mon truc. Faudrait que je révise mes cours, mais voilà. Donc dommage, on aurait vraiment pu aller chercher une belle place sur la grille de départ. Je pense qu'à mon avis, on aurait pu facilement aller choper la troisième place. La pole, je suis pas sûr. Ah non, la pole avec les deux Mercedes, là je pense que tu peux oublier là. Mais en tout cas, on aurait pu aller chercher ouais, la troisième ou quatrième place facile. Bon, les objectifs sont atteints, clairement, hein. On est arrivé à Q3, on est 7ème sur la grille de départ. On a Romain Grosjean qui est derrière, et Sainz qui est bien plus loin aussi. Donc, au niveau des qualifs, on a déjà tenu les objectifs. Donc ça, c'est une bonne chose. Maintenant, on va passer à la course. Et comme la dernière vidéo que vous avez vu, donc les qualifications et la course en une seule vidéo, avec les qualifications donc dans leur intégralité. Et donc pour la course, eh bien je vais faire je tourne la course bien sûr en intégralité, mais je ferai des résumés. Enfin je couperai pendant les tours où il se passe pas grand chose en fait. Donc on a récolté 97 points pendant cette séance de qualification. C'est pas mal. Donc on a on a raflé le maximum de points, je pense, hein, parce que donc participation à la séance, résultat position attendue 10e dépassé de 3 places, tour validé en Q1, Q2 et Q3, et pas de pénalité reçue. Donc, ah si, j'ai reçu une pénalité, mais je vois pas de quoi. Dossier disciplinaire, une pénalité reçue, moins 3 points. Et plus 10 avancées de carrière. Bon, je sais pas ce que c'est cette histoire de pénalité. Hein. Donc le face-à-face, du coup, maintenant on remet le compteur à zéro avec Sainz, hein, puisque ben, j'avais perdu la première manche du face-à-face. Et là, pour l'instant, on est à 7 à 1 pour nous. Et au niveau du statut du pilote au sein de l'écurie, ben, là, on va rafler encore 2 points de plus, donc ce qui nous remet dans la partie haute hein, de la graduation. Et donc, on va voir... Ouais, on est dans le vert et on est 6 sur 10. Donc les objectifs de course, finir 8ème ou mieux, faire mieux que rival, donc Sainz et Grosjean, et au championnat des pilotes, placez-vous 14ème ou plus. Donc allez, on est parti pour la course. Avec un petit désavantage au départ, hein, vu que tu auras des pneus soft, mais qui se concrétisera en avantage sur la durée de la course. Tout à fait, donc on va regarder... Le lancement de la course avec la grille. Donc un circuit, moi, Spa, franchement, c'est un de mes circuits préférés. J'aime bien l'ambiance, j'aime bien le... C'est un peu comme l'Autriche, en fait. Hein. C'est un truc un petit peu dans une forêt. C'est très vallonné. Ouais, c'est le must au niveau du pilotage avec Suzuka au Japon. Et quoique peut-être que Suzuka, techniquement et physiquement, c'est le plus difficile de la saison. Mais c'est vrai que Spa, il est vraiment... Il est vraiment à part. Mais bizarrement, tu vois, avec mes modestes compétences de pilote, c'est Spa, Suzuka, c'est mes circuits que je favorise le plus. Ouais, moi je me souviens sur des jeux où je jouais il y a une dizaine d'années, notamment sur F1 2006 avec ma modeste PS2 là en format Rikiki. Je faisais ça à Suzuka en 100%, je finissais avec les yeux en sang, tu vois. Ah bah. Et j'avais plus de pouce. Tellement qu'il était difficile, ce circuit-là. Donc, faut vraiment s'accrocher pour pouvoir tenir comment dire, sur la durée d'une course, surtout en 100%. Tout à fait. Alors, on va regarder la grille de départ. Donc,
Nico Rosberg qui part devant son coéquipier, comme d'habitude. Derrière, on retrouve Bottas et Verstappen. Avec les Red Bull qui vont avoir leur texture buggée, je m'en suis toujours pas occupé. Vettel qui est devant Massa, donc après je pars devant mon coéquipier. Raikkonen derrière avec Ricciardo, Perez, Hülkenberg, Sainz, Button, Wehrlein, Kiat, Arianto, Magnussen, Palmer, Ericsson et Alonso et Nasser qui ferment la grille de départ. Donc voilà. Donc on est sur la grille de départ, on a bien nos pneus soft montés sur la voiture, ce qui est une bonne nouvelle. L'ordinateur nous préconise la stratégie suivante, qui est de s'arrêter au 6ème tour pour remettre des softs, puis au 13ème pour mettre des médiums. Ouais, rappelle-moi combien t'avais de pourcentage d'usure au bout de 6 tours avec cela. On était à, que je dise pas de conneries, on était à 65% d'usure au bout de 7-8 tours. 65% d'usure. Bah tu sais, il restait 65% d'efficacité, donc on était à 35% d'usure. Ah d'accord. Oui. Effectivement, non, dans ce cas-là, on peut facilement aller jusqu'à la fin du 10ème tour. Et après tu passes en médium et on ne fait qu'un seul arrêt. Ouais, on fera ça, ouais. On va voir comment la course va se tourner. Je laisse la stratégie comme ils l'ont proposé. Et puis on changera s'il y a besoin. En tout cas pour la météo, ils annoncent pas de pluie, quelques nuages, mais rien de fou. Et c'est dommage, on n'a pas la possibilité de voir la grille avec les pneus qui sont chaussés sur les autres écuries. Donc on regardera à mesure, hein. Donc on va lancer la course avec le tour de formation. Ça tu le verras justement à partir du tour de formation justement. Là ça sera véritablement à toi de regarder quels sont les pilotes qui sont en quoi ils sont chaussés autour de toi en fait. Ouais, alors j'ai failli foirer mon tour de formation, putain quel con. En même temps tu me diras c'est pas très compliqué à deviner. Hein. Bon donc déjà de source sûre, on a Massa qui est en pneu soft. Ça on le savait déjà. Après j'arrive pas à voir Vettel. J'ai quand même l'impression que les pilotes qui sont devant sont en super soft, hein, mais un peu difficile à voir là. Je serais quand même curieux de savoir tous ceux qui sont en super soft combien de tours ils vont pouvoir tenir. Parce que avec le plein d'essence normalement. Ces pneus super soft vont se dégrader très rapidement. Mais après, on sait toujours que l'IA fait en sorte de faire durer ses pneus plus longtemps que la moyenne. Bon, j'ai pas abîmé ma voiture, hein, je te rassure tout de suite. J'ai eu une petite touchette avec Massa. Cette espèce de gros débile a mis un coup de patin alors que j'étais derrière lui en train d'essayer de regarder au loin si je voyais les pneus de Vettel. D'ailleurs, Massa qui s'est arrêté sur le bas-côté, bon, bah, soit. Hein. Ah bah ouais, moi aussi, du coup. Allez, hop. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il faut toujours que tu gardes un petit peu de distance et que tu te décales un peu par rapport à eux pour éviter qu'ils te donnent un coup de frein derrière. Ouais, bah ouais, mais je voulais voir les pneus. Oh. Possible. Je me fais engueuler encore. De toute façon, je vais les voir passer, ceux qui sont devant. On va voir ce qu'ils ont comme pneus. Là, on est sur la grille avec Massa, là. On est en train de prendre l'apéro, tranquille. Alors, Felipe, comment ça se passe? Bien, bien, ouais, tranquille. Tout va bien. C'est un peu long, hein? Ouais, ouais, je sais, ouais. Ah, ils arrivent. Donc, on a Rosburn qui arrive avec des pneus super soft, Hamilton avec des pneus super soft, Bottas avec des pneus super soft, Vettel avec des soft et Verstappen des super soft. Il me semblait qu'il y avait une embrouille avec Vettel, je le savais. Fumier. Et derrière, j'en sais rien. Oui. Romain, c'est le genre de type à mettre des super softs. Ouais.
Donc en fait, dans le top 10, avec toi, donc ça fait que 3 pilotes qui sont en soft. Absolument. Allez, le départ va être donné. Hein. Cette fois-ci, on se loupe pas, on fait pas la même attention que tout à l'heure. Premier virage à la source. Les buts éteignent et c'est parti. Ah, j'arrive à pas trop mal m'envoler. Voilà, on fait attention ici, on prend l'avantage sur Vettel, attention le coude à coude. Alors on a pris l'avantage sur Vettel, on est derrière Massa maintenant, on rentre dans le raidillon, attention ici, on soulage un petit peu l'accélérateur. On monte dans le raidillon, ça se bouscule devant avec Bottas et Verstappen qui bloque un peu tout le monde. Et comment ça, dépassement illicite, voiture de sécurité virtuelle. Allez Bottas, repasse, merci, au revoir. Et voilà, Verstappen qui part, et Massa qui est hors course, Arianto est hors course, Palmer est hors course. Il va y avoir du carton dans le raidillon. Hein. Ouais, et je t'ai dit, quand je suis arrivé en haut du raidillon, il y a Bottas, Verstappen, Massa qui se sont un petit peu ralentis tous. Donc moi j'ai pu les dépasser, je vois pas pourquoi j'ai pris une obligation de relaisser passer l'ami Bottas. Parce qu'il me semble pas, alors on regardera hein, sur la vidéo, où... parce que il me semble que j'ai pas coupé le virage. C'est étrange en effet. J'ai pas compris. Du coup, ça m'embête parce que on était remonté 3ème finalement derrière les Mercedes. Et à devoir laisser passer Bottas. Verstappen est passé aussi forcément. Hein, bande de cons. On est toujours en VSC là. Et on est toujours en VSC, ouais. Tu t'es mis en économie d'essence là. Non, j'ai mis mélange riche là. Je rigole. Allez, ça va être reparti. Je me remets en mélange standard. Attention les blocages de roues là, on va pas faire de conneries, et on se remet dans la course, on ferme sa gueule et on se concentre 5 minutes. Et on double Verstappen en bas du raidillon, attention, ça passe, et on se lance dans le raidillon, soulage un petit peu comme tout à l'heure. Et on a pris la quatrième place, oui ça a bien cartonné, il y a des débris de monoplace de partout. Attention de ne pas rouler dessus, tu risques de crever. Hein. Que font les commissaires, se demande, et Bottas qui est déchaîné devant, qui est en train de doubler Rosberg littéralement. Ah là, Williams c'est véritablement en verve sur ce tracé. Hein. Peut-être une des seules voitures qui pourrait être capable de lutter sur ce circuit à armes égales avec la Mercedes. Quant à toi, fais attention dans le secteur 2 avec la Red Bull de Verstappen. Bah, il est derrière pour l'instant. Hein. Ouais. Effectivement, dans le secteur 2, il fait coucou dans les rétros. Hein. Oui, effectivement, parce que la Red Bull a plus d'appui que la Haas. Et elle est véritablement très performante dans ce secteur-là, donc attention. Ah ouais, je vois, avec le poids de l'essence, j'ai tendance à la voir, la voiture qui vrille un petit peu plus que c'était le cas pendant toutes ces séances d'essais et qualifications. Donc faut que je me méfie aussi de ce phénomène-là, hein, qu'on oublie à chaque fois quand on repart en course. Et là, c'est vrai que littéralement, dans le secteur 2, les pilotes de tête ont creusé l'écart. Il va falloir manager pour revenir sur eux. Pour l'instant, on a un petit train qui est formé par Lewis Hamilton, Bottas et Rosberg. Je pense qu'il faut d'abord que tu fasses attention de ne pas trop cramer ta gomme pour que la stratégie de course qu'on a mis en place puisse fonctionner. Alors, je te coupe, il y a RG qui est dans les stands. Il est déjà... Ah oui, parce que... Ah ben oui, donc il était en super soft. Allez, on est dans le raidillon là. Ouh là là, attention, petite dérobade de la voiture. On fait une petite arrive à Tannen. On est à l'aspi sur Rosberg. DRS ouvert. Et ça double. Et on a le DRS ouvert. On en profite. On va se faire Hamilton au passage.
Et au freinage, ça va être tendu avec Bottas. Bottas qui ferme bien Hamilton sur la gauche. Ouh, c'est chaud ici. Et on a gagné une place sur Nico Rosberg. Et tout ça bien avant le freinage des combes. C'est le combe. Attention de ne pas faire le fou ici, on va pas décroiser sur Hamilton. C'est le cas de le dire. Et là on va arriver à Pouhon. On est dans les échappements d'Hamilton et là on va être en difficulté parce que là on a les pneus soft. On a la voiture qui est lourde et on sait que, comme l'a dit Cyril tout à l'heure, l'aéro de la Haas n'a pas le même effet sur la voiture que l'aéro de la monoplace de devant ni de derrière, donc un peu désavantagé. Voilà, je me suis un petit peu enlisé dans mes explications. Tout ça pour dire que j'avais une moins bonne, un moins bon d'appui dans le secteur 2 avec cette voiture. Ouais, et attention aussi quand tu suis une voiture comme la Mercedes, c'est de pas te faire déventer également. Ouais, ce qui vient de se passer en fait. Alors que là, on est à l'aspiration sur... Oh là là, Hamilton fait du surplace là, qu'est-ce qu'il fait? Ah, je pense que comme tu viens de le voir avec la Mercedes, que tu la suis de l'arrière, c'est que... Hamilton dans les stands, pardon, je te coupe, excuse-moi. Ah. Vettel dans les stands, oui, on est en tête. Sébastien dans les stands, effectivement. Donc tu prends le commandement, c'est ça? Je prends le lead. Ok, donc tu vas me faire un check-up dès la fin du cinquième tour sur l'état de tes gommes. Okay. Ça nous permettra de savoir où est-ce qu'on en est également et jusqu'où on peut faire tenir ces pneus-là. Oui, donc je disais, tu as sans doute dû suivre de près la Mercedes pour voir comment elle se comportait en aéro et je ne serais pas surpris de voir que c'est une voiture qui colle véritablement à l'asphalte. Hein. Ah oui, dans le secteur 2, effectivement, oui, c'est assez phénoménal. C'est-à-dire que là, ils ont droit au fromage et au dessert, si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que, en gros, non seulement ils ont la puissance du moteur, mais en plus, ils ont l'appui aéro et le grip mécanique. Quoi. Donc c'est absolument exceptionnel. Alors, être le lead... C'est vraiment moins marrant. Quand ça va pour l'instant, t'as une piste dégagée devant toi là. Oui. Donc tu restes concentré, tu gardes ton rythme de course, tu tapes pas trop dans la gomme. Parce qu'il faut qu'on aille au bout de ce relais. Et puis voilà, tout simplement, on garde le rythme et reste bien concentré parce qu'on ne sait pas si on pourra ressortir des stands après notre arrêt devant tous ces pilotes. Allez, Rosberg dans les stands. Nico également dans les stands. Ce qui nous laisse Perez et Hülkenberg derrière avec les super soft aussi. La question, ce serait de savoir en quoi les Mercedes, les Ferrari et les Red Bull sont ressortis. Bon, on le saura bien assez tôt. Parce que s'ils ressortent avec... Grosjean, meilleur tour. Meilleur tour ? Mmh. Ouais. Oui, donc s'ils ressortent en super soft, ça veut dire qu'ils vont faire au minimum deux arrêts. Alors à quel tour est-ce qu'on en est? Au cinquième, c'est ça? On est au cinquième, ouais. Bah je pense que tu peux nous faire un petit check-up, là c'est parti. Alors attends, j'arrive dans le poumon. Dès que je peux, je te fais ça. Donc les pneus, pour l'instant, c'est 30% d'usure. De façon globale, un petit peu plus sur l'avant droite. Ouais. Qu'à 31. Mais voilà, sinon globalement, c'est 29-30. En sachant que quand ils seront entre 50 et 60%, il faudra s'arrêter. Donc, non, si tu gères bien la gomme, on devrait s'arrêter à la fin du 10e, mettre les médiums et ne faire qu'un seul arrêt. Donc là, il va falloir que maintenant, à partir de maintenant, dans la deuxième partie de ce relais, que tu fasses attention à la gestion de ta gomme. Ouais. Alors j'ai les deux Force India qui sont bien revenus dans mon derrière.
dans mon Haas. On continue dans les jeux de mots foireux. Ok, donc ce que tu vas faire, c'est que dans les secteurs 1 et 3... Chico qui rentre. Comment ? Chico qui rentre. Chico rentre, ok. C'est Hülkenberg, pardon. Ah, c'est Nico Hülkenberg, ok. Donc ouais, une des deux Force India qui était en super soft. De tous ceux qui s'étaient pas encore arrêtés au départ, hein, qui rentrent au stand petit à petit. Autre nouvelle et information, c'est qu'on a notre ami Sainz qui est troisième avec des pneus soft. Et donc il est dans la même stratégie que nous, ça veut dire que on va être en bataille avec lui. Toutefois, quand tu te fais attaquer au DRS dans le secteur 1 après le raidillon, tu peux toujours utiliser le mélange 3 pour contrer cette attaque au DRS. Tout à fait. Alors autant que je m'en souviens, je crois que la première fois depuis cette saison sur F1 2016 qu'on a mené une course depuis aussi longtemps, sur autant de tours. Bah pour une première, ça en est une. Hein. On va évidemment pas parler trop vite, mais... Hülkenberg qui attaque. Perez, pardon, oulala, excusez-moi. Je le laisse passer, hein. J'essaye même pas de résister. Parce que de toute façon, il va rentrer au stand. Super soft, hein. Oui, oui. Oui. Ah, mais eux, ils sont arrivés à tenir plus longtemps leurs pneus que les voitures de tête. Un tour de plus, ouais, un tour ou deux. Enfin, ça me donne accès au DRS sur la ligne de départ arrivée. On va voir si Sainz rentre au stand du coup. Ah, s'il est en soft, non, il va rentrer à peu près dans les mêmes eaux que toi, en fait. Hein. Donc Sainz a pris la deuxième place, Bottas est troisième avec des softs. En même temps, tu me diras, si Checo il a pu tenir aussi longtemps, c'est peut-être parce qu'il sait aussi bien tenir ses pneus. Oui, c'est ça. Hein. C'est un spécialiste avec Jenson Button. Hein. Il est très bon dans cet exercice-là. Combien t'as d'avance là sur Carlos ? Alors attends, je vais attendre le prochain pointage. Parce que là j'étais vraiment sur ma trajectoire et sur la concentration au pilotage. Du coup les chronos... Ça je pouvais pas voir. Oui, oui. Mais y a pas de souci, t'inquiète. Je vais passer la ligne de départ arrivée, je vais te dire ça de suite. On va rentrer dans le 8ème tour. Et pour l'instant j'ai 10 secondes 6 d'avance. C'est bien. Et tes pneus, ils en sont où exactement ? On arrive au 50% là. 48 à l'avant droite, 47 à l'avant gauche, 45 et 44 à l'arrière. Ok, donc ménage ta gomme, on doit s'arrêter à la fin du 10ème là parce qu'on rentre dans une phase assez critique. Secondes sur Sainz, j'agrandis l'écart. Et ça se trouve, il va peut-être s'arrêter avant toi d'ailleurs.
Et le groupe des ténors, là, ils en sont où exactement? Je sais pas où ils sont. Ils doivent être englués dans le trafic, là. Alors, s'ils sont effectivement englués dans le trafic, c'est tout bon. Hein. Ça veut dire qu'ils vont perdre du temps, et dans ce cas-là, il y a un intérêt à faire de l'overcut. Hein. J'essaie d'avoir un endroit dégagé pour jeter un œil à la minimap. 11 secondes 2 sur Bottas maintenant. Bottas a pris l'avantage sur Sainz. Ouais. Et c'est quoi? Il est en super soft? Il est en soft. Il était en super soft au départ. Il a pris les softs. Et je pense que c'est ce qu'ont fait tous les pilotes. À mon avis, on va pas trop tarder à rentrer au stand. Là, on rentre dans le tour 9. Seconde 2 sur Bottas. Bottas, il revient comme une fusée. On est à 52% à l'avant droite, gauche, 55 à l'avant droite et 50% à l'arrière. Sainz n'est pas rentré au stand. Est-ce que tu veux t'arrêter là maintenant? Je sais pas si ça serait pas intelligent de rentrer maintenant. 11 secondes 2 sur Bottas. J'ai repris un petit peu du terrain. Ah, j'arrive pas à me décider. T'as regagné du temps dans ce secteur là? Ouais. On va voir à la fin du deuxième secteur combien j'aurais perdu. Si tu perds trop de temps dans le secteur 2, à ce moment là tu t'arrêtes tout de suite. Et on met les médiums et on va jusqu'au bout de la course. Secondes 4 sur Bottas. Ok, box, 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 appelle le stand. C'est prêt. Je demande les médiums. C'est fait. Allez, on est dans les box. Bottas va prendre le lead. Que les mécanos ne fassent pas dans leur froc. Ah, ça c'est une expression favorite de mon cher Cyril. Alors on a un gros peloton là qui est en train de passer devant la ligne de départ arrivée. Alors dans les stands on est seul à rentrer, ce qui veut dire que Sainz est resté un tour de plus. Et on sort. 8ème. C'est bon, c'est confirmé, on est 8ème entre Rosberg et Vettel. Ok, c'est pas mal. Donc fais attention, pas trop d'attaque dans les deux ou trois premiers tours avec ces pneus-là, il leur faut un petit peu de temps pour chauffer. Et cela va falloir véritablement les ménager le plus possible pour aller au bout de la course avec cela. Il suffisait que tu dises ça pour que je me fasse avoir au freinage au bout de la grande ligne droite, la première grande ligne droite là. Et du coup, ça a profité à Vettel. On va rester derrière le pilote allemand. Parce que devant il y a du grabuge. Sainz est littéralement en train de faire un bouchon. Il faut vite que ses pneus se mettent en température parce que sinon je vais perdre du temps. Ça va pas être bon ça. Ah, ses pneus doivent être complètement morts. Il va devoir, je pense qu'à mon avis, il va s'arrêter là. Et vu comment ces pneus sont cramés, je pense qu'on a peut-être sans doute pris la bonne décision de s'arrêter et d'anticiper l'arrêt d'un tour. Oh, qu'est-ce que je perds comme temps là? Vite, montez en température, bordel! Sois patient, Angel, ils vont finir par monter en température. Et d'ici là, faut pas trop taper dedans.
Toujours personne dans les stands. Très bonne stratégie de la part de Toro Rosso. Hein. Je leur enverrai une petite carte pour une petite carte de vœux pour la fin d'année. En les remerciant grandement. On se demande vraiment quel est l'intérêt de, pour eux de continuer et de faire continuer pardon, Carlos Sainz alors qu'il a des pneus complètement carbonisés. C'est pas grave, c'est bon pour nous. Ça va s'emmancher là-bas au bout de la ligne droite, tu vas voir. Oh, un petit carton et avec un pescar, pardon, et c'est le jackpot. Hein. Avec un pescar, on s'est déjà arrêté, on n'aura plus à s'arrêter, donc c'est tout bénef. C'est pas faux. Le bouchon Sainz est en train de sauter, ce que je vois qu'il y a maintenant c'est Rosberg qui a passé Sainz, il y avait elle qui va se caler dessus maintenant. Mais nous nos pneus commencent à avoir du grip, donc on est revenu sur Vettel au passage. Ouais, et ce qui est bon pour nous c'est que des Vettel, des Bottas ou Verstappen, etc. Ils vont encore s'arrêter une fois. C'est au coude à coude entre Vettel et Sainz devant. Ouh, ça s'est touché même, il y a eu un peu de fumée. Et Vettel, il a bien insisté lourdement pour pas laisser la place à Sainz. C'est Sainz qui rentre dans les stands en même temps qu'Hamilton et Raikkonen. Ah, donc c'est bon, c'est bien ce que je pensais. Ils font un deuxième arrêt et il est probable qu'ils ressortent avec des médiums hein, pour aller au bout. On a Bottas qui est derrière à 1 seconde et quelques. Devant, on a Perez à 7 secondes. J'ai perdu du temps là, dans ce deuxième secteur à regarder la minimap. Ça dépend parce qu'il est ressorti en soft, Valtteri. Non, il est en médium. Ah merde, donc il est dans la même stratégie que et nous. Et oui. C'est pour ça que je dis que je ferai pas une victoire ici. En tout cas, ouais, Perez est dans les stands. Si tu nous offres, à nous tous, et notamment aux viewers, à tous une petite coupe de champagne sur le podium, on sera déjà content. Bah c'est clair, hein, si ce sera le premier podium de la saison, bon, il reste encore 6 tours. 7 tours, pardon. La course est pas finie, donc il faut quand même... pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Donc là on a Bottas qui est dans nos échappements et qui va au DRS très logiquement nous déposer. Voilà, hein, on a l'impression qu'on fait du surplace. Salut Bottas, à la prochaine. See you later. Merci d'être passé. De toute façon dans les secteurs 1 et 3 tu peux pas lutter avec la Williams, ça c'est clair et net. Non mais je vais essayer de suivre le Finlandais du mieux que je peux. Par contre, si tu peux éventuellement lui reprendre du temps dans le secteur 2, si, parce que la Williams, elle a pas non plus une force d'appui de fou. Bon, on continue dans les mauvaises nouvelles. Rosberg est troisième. Moins drôle. Ça va être un peu chaud, effectivement. Donc... rappelle-toi de ce que je t'ai dit ici, tu fais attaquer au DRS. Bottas hors course. Non, c'est pas on reprend la tête. Voiture de sécurité virtuelle. Hein, j'y crois pas. Purée, mais non, mais non. Qu'est-ce qui se passe là? Au VSC, je lève pour avoir le delta positif. Rosberg qui me double. Dépassement illicite de Rosberg, mais va te faire enculer. Ah, c'est pas vrai, mais... ce Delta, c'est véritablement une arnaque monumentale. C'est pas possible, ça. Oh là là. Putain, mais c'est pas possible, ça. Tiens. Si tu mériterais, je te coupe tes pneus, connard. Ah, je le crois pas, c'est pas vrai. Bon, Angel, faut rester concentré, de toute façon ça sert pas à grand chose de,
de rouspéter. Je sais que c'est chiant, c'est frustrant, mais c'est comme les erreurs d'arbitrage en football, où t'as l'arbitre qui a toujours raison, même quand il a tort. Donc ça sert à rien, hein, et je comprends hein, véritablement comment dire, ta déception et ton agacement. Je le suis tout autant que toi, mais malheureusement, on peut pas faire grand-chose là-dessus. T'as toujours le podium, de toute façon. Je suis deuxième entre les deux Mercedes. Bon, quand ça va redémarrer, surtout prépare-toi à mettre un X3 pour dans le secteur 1. C'est reparti déjà. Ouais. Ouais, mets le X3 pour éviter de te faire attaquer. Puis tu repasses en 2 pour le secteur 2. Tiens Hamilton, ça c'est à prendre à connard. Je viens de foutre une Mercedes au tapis. Enfin au moins je l'ai mis. Oui, il va rentrer au stand, il sort des points. Terminé pour lui. Ils veulent jouer au courant, on va jouer pareil. On était au coude à coude dans le troisième secteur avec Hamilton. Il faisait l'intérieur dans le gauche, là, le gilet gauche qui se prend à fond là, avant la dernière chicane. Ouais, Blanchimon. Voilà. Et du coup on était côte à côte, j'étais passé. Enfin j'étais devant lui quoi. Et j'ai mis un dernier coup de volant qui l'a emmené aller goûter les bas côtés de la piste. Et il a dû rentrer au stand après. C'est ça. Puisque le jeu m'arnaque, je vois pas pourquoi, je vais me priver. Ah, vous pourrez rager et commenter dans les commentaires par rapport à ma manœuvre. Y a aucun souci. Mais ouais, là, sauf que là, c'est assumé. C'était complètement assumé, ouais. Ouais, et c'est ce qui s'appelle aussi rendre la monnaie de sa pièce. Exactement, non mais oh. Il y a un moment, faut arrêter. Ouais, parce que combien de fois, je veux dire, on s'est fait arnaquer par un delta, on va dire, qui prend même pas en compte, nos positions, les positions actuelles, quoi. D'ailleurs que toi t'es obligé en fait de respecter le delta, mais les pilotes IA eux ils s'en foutent complètement. Ils s'en foutent, ils te doublent, OZEF, rien à foutre, toi tu les doubles, par contre faut leur rendre la place. Ouais, ça fait partie des des imperfections du jeu qui sont à corriger. C'est là où le jeu en lui-même c'est un très bon opus, hein, mais Il a ses imperfections et les imperfections, course après course, et bien, on arrive à les identifier maintenant. Allez, on est dans les tours. On est dans l'avant-dernier tour et Romain Grosjean vient de rentrer dans les stands. À mon avis, il a dû prendre un Hamilton sur le capot. C'est un peu comme dans Mario Kart, hein, tu balances une carapace, des fois ben elle traîne sur la piste et il y en a un qui se la prend. C'est pas forcément ce que tu veux. J'avais vu le jeu l'autre soir dans le live avec des abonnés que vous avez fait tous les trois avec des. Ah oui, le F1 Racestar, oui. C'était rigolo. Ouais, exact. C'était les pilotes de l'année 2012. Ouais, c'était les vieux de la vieille. Bon alors, on est dans l'avant-dernier tour, on va bientôt rentrer dans le 22e et dernier tour de course. Et dans les rétroviseurs, nous avons Sébastien Vettel, qui est suivi par une Force India,
que j'ai un peu du mal à identifier, mais je crois que c'est Hülkenberg. Tes gommes, elles sont toujours en bon état, là? Oh, j'ose même pas regarder. J'espère que dans l'aventure, tu les as quand même pas trop cramées. 60%. Ouyouille. Ouyouille. Oui, ben, pas le choix. Allez, un dernier tour. Ouais. Ah bah là, maintenant, faut que tu serres les dents, là. Bah, je vais serrer tout ce que je peux serrer. Hein. Là, je vais pouvoir retravailler pour la manufacture Puget. Il y a un podium à la clé, les amis. En même temps, si Pirelli pouvait travailler sur sa manufacture de pneus... On demande à quoi ils sont payés, ceux-là. Allez, une belle passe d'armes avec Vettel là, dans le raidillon et dans la ligne droite avec la zone de DRS. On s'était fait passer au premier virage. Oui, mix 3 sur tout le tour là. Avec les pneus qui sont en train de dire j'ai faim. Ou plutôt, il est temps que ça s'arrête. Oui, il est temps que ça se termine plutôt, ouais, effectivement. Je sais pas pourquoi j'ai dit j'ai faim. Peut-être parce que j'ai faim. Du coup, Vettel s'est fait passer par Pérez. C'était Pérez, c'était pas Hülkenberg. Hein. Encore une erreur de ma part. Donc le Mexicain qui va nous faire un podium, si ça tient jusqu'au bout. Ouais. Et ça serait pas immérité également pour lui. Hein. Parce qu'il partait en milieu de grille, si je me trompe pas, pardon. Et il a fait également une très bonne stratégie qui lui permet d'être là où il se trouve actuellement. Tout à fait, là donc on est dans le dernier secteur, il va falloir faire attention à l'ami Pérez derrière qui serait toujours tenté de nous faire une Hamilton comme tout à l'heure. Mais on va fermer les portes bien comme il faut, on va faire ouais, sa propre. La Force India est très rapide en ligne droite avec comme la Williams. Allez, dernier freinage, on va se faire un podium les amis. Attention, on peut lever les bras bien haut. Et on passe la ligne de départ arrivée avec une magnifique deuxième place que l'on a réussi à gagner et à conserver un peu à l'arraché. Voilà, bah écoute, je suis trop content. Hein. Bah en tout cas, moi j'ai qu'un seul mot à dire, champagne hein, Angel. Et champagne pour tous les viewers, je pense que... Comment dire que c'est mérité parce que on a fait la comment dire on a tout établi de A à Z la stratégie, on a fait la course qu'il fallait et on a su tenir on va dire bon malgré quelques aléas on va dire qui auraient pu comme par le passé nous coûter comment dire un bon résultat. Donc bravo en tout cas Angel, félicitations. Merci, et voilà donc on a cette magnifique scène de podium avec Nico Rosberg et nous deuxième et Checo Pérez à la troisième place. Pas de Lewis Hamilton sur le podium, fuck you bitch, voilà, c'est clairement dit. Et donc le classement à l'arrivée, donc Nico Rosberg qui était parti leader et qui finit donc premier, on finit donc deuxième. Pérez 3ème, Sébastien Vettel 4ème, Raikkonen 5ème, 6ème Hülkenberg, 7ème Verstappen, 8ème Carlos Sainz, 9ème Fernando Alonso, 10ème Lewis Hamilton qui marquera un tout petit point, hey, fuck you bitch, deuxième fois, Kevin Magnussen 11ème, Daniel Kvyat 12ème, Grosjean 13ème, allez au revoir, Marcus Ericsson 14ème, Wehrlein 15ème, Nasser 16ème, et parmi les abandons, on en a une belle tripotée. Parce qu'on a Valtteri Bottas, Daniel Ricciardo, Julian Palmer, Rio Arianto, Felipe Massa et Jenson Button qui n'ont pas terminé la course. Ouais, et pas mal de casse moteur hein, sur un circuit qui est très exigeant là-dessus. Et oui.
Alors, on va passer aux résultats à l'issue de ce Grand Prix pour le championnat du monde des constructeurs et du championnat du monde des pilotes. Donc, avec cette deuxième place, on aura marqué des points, mais on bouge pas, on est toujours 9e, mais du coup, ça nous aura permis de pas trop perdre de terrain sur Daniel Ricciardo qui lui en plus n'a marqué aucun point sur ce Grand Prix. Du coup, on est revenu à 5 points, 6 points, allez, non 5 points du pilote Red Bull qui est 8e devant nous. Sébastien Vettel a pris la tête du classement du championnat du monde des pilotes. Lewis Hamilton, du coup, ben, avec son petit point, n'aura pu que voir Vettel passer devant lui et céder sa première place pour 7 points. Il est à égalité avec son coéquipier Nico Rosberg. Kimi Räikkönen est quatrième. Verstappen qui remonte à la cinquième place par rapport à Valtteri Bottas, lui qui descend à la sixième. Mais Felipe Massa septième, Ricciardo huitième, donc on est neuvième et dixième Pérez. Voilà pour le championnat du monde pilote. Les constructeurs, Mercedes qui reste devant les Ferrari. On a les Williams en troisième position, Red Bull quatrième. L'écurie As 5e toujours, hein, donc là ça nous a mis un petit peu d'avance sur les écuries qui sont derrière. On a Force India et Toro Rosso qui sont à égalité avec 41 points, nous on en a 64. Sauber qui continue sa dégringolée, hein, qui descend à la 8e place. Et McLaren Honda aussi qui descend à la 9e place. Et derrière on retrouve Renault et Manor. Ouais. Et nous, on sera sans doute en lutte avec Force India jusqu'à la fin de la saison pour conserver cette cinquième place, mais je pense que on a bon espoir de la garder jusqu'à la fin de la saison. Voilà, alors bon, bien sûr, dans les commentaires, vous allez certainement rager hein, par rapport à ce que j'ai fait sur Hamilton. On en a parlé en fin de course. C'est vrai qu'en revoyant l'action, hein, vous avez vu sur le replay pendant la course sur la caméra TV, qu'effectivement, je lui ai bien fermé la porte. Hein, il a donc son aileron arrière qui a touché notre roue arrière, hein, ce qui l'a emmené à aller tâter le bas-côté de la piste. Mais voilà, c'est le jeu, c'est comme ça, puisque le jeu est ainsi, je vois pas pourquoi on ne devrait pas nous aussi un peu en profiter quelque part. Parce que là, clairement, le coup de la VSC avec l'écart à devoir à chaque fois maintenir et puis les pilotes IA qui nous doublent, là, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et puis on pouvait pas se laisser avoir à chaque Grand Prix comme ça, comment dire, sans réagir. Alors effectivement, oui, c'est contestable, On aurait mais pu prendre une pénalité, hein, c'est sûr, mais voilà. Bon. oui, c'était risqué, mais de toute façon, vu la situation, c'était compliqué de faire autrement. Alors, on a un message sur notre téléphone. Ah, ça, c'est Emma, ça. Ouais. Donc c'est une réunion, ils ont fait une réunion et puis elle veut nous féliciter de la magnifique seconde place que l'on a fait ici à Spa. Et donc à l'issue de ce Grand Prix belge, enfin à l'issue de ce week-end belge, pardon, on aura récolté 695 points de R&D que l'on va économiser, comme le dit Cyril, pour faire de prochaines évolutions lors des prochains Grands Prix. Et pour Qui l'instant, arriveront pour Singapour avec la tournée asiatique. tout à fait, et là pour l'instant au niveau du face-à-face avec Carlos Sainz, pardon, on a 10 points d'avance hein, sur le pilote espagnol, 14 à 4. Donc voilà, on va essayer de continuer sur cette lignée. On On est devrait retourné dans le pouvoir violet en tout cas monter dans les doigts les. dans les armes. Ouais, on est remonté dans le violet au niveau des attentes de l'équipe. Donc c'est parfait, pourvu que ça continue comme ça pour la suite de la saison. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures sur F1 2016 et sur les autres épisodes aussi d'ailleurs avec Motorsport Manager. Et voilà, et donc je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, merci à toi Cyril. Et Merci puis à très Angel, vite. merci à Ciao ciao. vous, ciao ciao, la suite au prochain numéro à Monza.